Sakena Yacoubi, lauréate du prix Wise 2015, et Wydad Bouchamaoui, membre du quartet pour le dialogue national en Tunisie, prix Nobel de la paix 2015. Ces deux femmes d'exception ont été invitées par Wise, le sommet mondial pour l'innovation dans l'éducation, à participer à un forum à Tunis. Son thème fait écho à leur parcours, dialogue pour l'éducation et la paix. La racine du mal dans le monde, c'est le manque d'accès à l'éducation. En Afghanistan, il y a beaucoup de problèmes et nous sommes dans une situation de conflit. On a la guerre depuis 35 ans. Mais je crois que l'éducation a transformé les gens de mon pays. La mobilisation de Sakena Yacoubi en faveur de l'éducation en Afghanistan est une source d'inspiration pour les pays en proie aux violences, notamment pour la Tunisie, qui, après avoir mené une transition démocratique, est fragilisée par le terrorisme. C'est ce qu'estime le PDG de Wise. Je pense que la société civile a un rôle essentiel à jouer. Elle a toujours eu une responsabilité en tissant des liens entre l'éducation et la paix. Si on est capable de mettre la puissance de l'éducation au service de la paix et de la promotion de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous divise, alors elle peut devenir un instrument très utile et très efficace. Comment favoriser le changement social 5 ans après le printemps arabe et l'accès à l'emploi des jeunes en Tunisie? Il en a été question lors d'ateliers comme celui-ci où l'on promeut l'esprit d'entrepreneuriat. Aujourd'hui dans le pays, un diplômé sur 3 est au chômage. Dans la situation dans laquelle se trouve actuellement la Tunisie, quand on cherche à avoir une croissance économique, à créer des emplois et de nouvelles activités, l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi important. Ce dialogue a fait émerger des idées innovantes en matière d'enseignement et des actions à mener en priorité dans l'éducation en s'appuyant sur ce qui fonctionne en Tunisie ou ailleurs. Appliquer les bonnes pratiques dans sa propre classe, c'est ce à quoi on incite les enseignants participants ici. Pourquoi ne déclinerait-il pas des modèles qui ont des résultats à Singapour, par exemple ? Je ne crois pas qu'on puisse faire du copier-coller. Je pense qu'il faut s'intéresser aux meilleures pratiques, mais piocher uniquement ce qui peut fonctionner dans votre système éducatif et avec le contexte que vous avez. Wydad Bouchamaoui, co-lauréate du prix Nobel de la paix, a quant à elle estimé que la stabilité de l'économie d'un pays reposait sur la force de sa société civile, l'éducation et la capacité d'action des femmes.